Voici comment débloquer le schéma du pistolet laser sur le mode zombie de MW3. Pour le débloquer, vous allez devoir réaliser le contrat, éliminer la cible qui se trouve dans la zone de niveau 3. Par contre, avant de faire ce contrat, moi ce que je vous conseille, c'est de faire au moins 10 000 dollars. Pour ce faire, je vous conseille de réaliser les contrats livrer la cargaison. Ce sont des contrats qui se font très rapidement et très facilement et qui rapportent beaucoup d'argent. Quand vous avez 10 000 dollars, là vous allez vous rendre au shop qui se trouve au niveau 3. Dans ce shop, vous allez pouvoir acheter un mastodonte. C'est très important, si vous voulez tuer des boss de niveau 3, je vous conseille fortement d'utiliser le mastodonte. Donc quand vous avez votre masto, là vous allez tout simplement rejoindre l'emplacement de la cible. Ensuite, vous activez votre mastodonte et là vous défoncez le boss. Quand vous aurez réussi, vous obtiendrez une faille de récompense. Dans ces failles, vous avez de grandes chances d'obtenir le pistolet laser. Cependant, il ne s'y trouve pas à tous les coups. Moi, j'ai dû faire 3 fois le contrat éliminer la cible pour l'obtenir. Alors, quand vous aurez réussi à le débloquer, vous allez pouvoir le construire en illimité. Donc oui, vous pouvez les construire en illimité et les placer dans votre stock d'acquisition. Mais par contre, vous allez devoir attendre 48 heures à chaque fois que vous voulez en construire un. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet et je vous souhaite bonne chance.